yon ki bay tèt li non soi-disant lanceur d'alerte que tout dernièrement te gardé comment Napoléon t'a fait sermenter pour pas jamais ouvrir jol li ou pas d'ouvrir bouche li dans affaire moun. Parce que souvent la parler sale pas connaît, il pas gain fait, pas gain donné, mais pour faire moun comprendre que li vaut quelque chose, eh bien li dit des bagailles, et souvent l'a dit des bagailles qu'il pas connaît. C'est youn qui était ancien chef de gang dans Delma 19 qui était relé monsieur était relé te bay tête li un petit nom qui était relé sans pression. C'est John Colin Morgan. Il a gagné comme papier, mais son réseau qui est commissaire gouvernement, qui gagne juge de paix, qui est policier, cap marché vol avec un ensemble de l'autre citoyen, de l'autre civil, cap marché déposséder un ensemble de diaspora, un ensemble de monde, des titres de propriété. Nous-mêmes dans ça, nous dit. Il n'est pas normal, puisque son action qui est correcte, qui est inacceptable, nous demandons la presse pour taguer un projecteur qui est allumé sous situation ça. Parce que là, par exemple, vous avez un bon droit à bon côté, vous prenez un jugement, payez avocat pour diaspora, vous payez avocat pour Mounio, vous n'avez pas qu'à refuser par Mounio exécutif. Pourtant, les gens qui volent bien eux-mêmes, ils ont un exécutif sans problème. Les gens qui volent bien eux, ils ont un jugement, justice, ça a le jugement, Ti Jocelyne, on n'a pas Ti Jocelyne, sans problème. Alors que moun qui prend voie légale, qui fait procès, perdit tout le temps, paye avocat, yo même yo pas qu'à jouer satisfaction pour ta permettre yo récupérer bien yo qui trouve yo dans mes bandits. Comment nous comprenons, plus passé 2 ans, tribunal d'accord, la justice haïtienne d'accord, yo retire section civile là. Ça veut dire 3 canèg dans l'état aujourd'hui, y'a fait bien yo, c'est non, prend bien moun, prend tes moun, prend sa moun possédé parce que pas de tribunal civil pour porter plainte. Et c'est pour ça matin, nous dénoncer et de fait nous faire conférence pour demander solidarité toute l'autre média, population dans la situation, puis le monde sa ou kap souffrir. Merci en pile. Vous comprenez? Et d'ailleurs, le premier nèg qui était un zam, dans la gang, c'était John Colin Morvan. Mais il était très bon rentrer sorti dans le commissariat d'Elma 33. Il y a un monde qui pensait que c'était et tout est la publicité. C'est par la suite, pour le bagage qui passe d'Elma 19, et puis tout le monde pour le John Colin Morvan connaît que non sans pression, son nom gang, son base de gang. Et c'est pour ça, monsieur pour disparaître, dans disparaître, disparaître là, c'est pour ça. Au bon matin, nous tendons sur les réseaux sociaux comme nèg qui a fait ça et lancer d'alerte. Maintenant, le combat nous gagne là aujourd'hui, son combat pour nous capables de faire criminel ça et connaître. Et vous regardez, vous connaissez, regardez qui comportement, qui attitude par rapport avec Ariel Henry, vous demandez pour paraître devant la justice, Ariel Henry a décidé par mes pieds. Tout nèg, soi-disant juge, rend ordonnance pour demander au bureau paraître. Personne ne va dire rien. Mais, bon campagne, bon manœuvre, bon stratégie qu'a fait pour ouais, puisque le projet a été touillé Jovenel ensemble avec Martine Moïse. Martine Moïse pas mouru, c'est vrai. Martine victime de yon tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. Ils ont rendu compte, Martine, pas prendre pression, malgré ça, Martine, un, non seulement porter plainte, faire le parti civil, d'une part, ils ont Martine monté Florida, l'aller, lui déposer plainte devant le tribunal fédéral Miami pour ensemble des criminels qui participaient à l'assassinat Mario. Kounia là, ils ont tout mis ensemble, ils ont fait pression sur le juge pour dire, pour montrer que Martine Moïse participait dans la mort Marie. Alors ce que nous tous connaissons, nous tous témoins, nous tous là, ouais, comment est-ce que ça y est, il combat Jovenel Moïse. Je dis après assassinat Jovenel Moïse, c'est une sensible pour Jovenel Moïse. Ça veut dire, nous-mêmes nous disons, démarche, c'est une démarche vaine, c'est une démarche qui n'a pas abouti, parce que nous-mêmes nous disons, nous identifions les criminels déjà, nous identifions les assassins déjà, c'est parce que nous n'avons pas de justice qui a fonctionné, qui fait justice Jovenel Moïse, pas déjà joint justice. Parce que trois cas nous avons besoin pour que nous restions qui participent. Non, non, Jovenel Moïse, nous connaissons. Ça, c'est une. Deuxième point dans la conférence, c'est de dénoncer le fonctionnement du parquet de Port-au-Prince ou bien la justice en général. Justice là, nous avons justice des poids, deux mesures.
Nous avons justice sous ses patrons, sous les propres, la justice là pour vous. Sous ces malheureux, vous faites partie de classe moyenne, que vous portez plainte ou pas portez plainte, c'est affaire qui garde. C'est le cas de Ronald Lubin. Ronald Lubin, un amateur bateau, qui vient avec un bateau dans le port de paix, qui est habitué de servir la communauté. Mais Ronald Lubin, pendant qu'il est sur le bateau, il y a un groupe de monde qui sort dans l'État, proche l'État, qui prend un ensemble de colis dans le bateau. Mais les petites boîtes sont tellement petites, et puis il faut que c'est deux ou trois personnes qui mettent main pour porter le dehors. Ça peut être curiosité, Ronald, pour demander à l'agent douanier, qui savent que les gens prennent telle boîte qui t'a pour nous comme ça. Il m'a dit, Ronald m'a dit, agent douanier, allez regarder ça dans la boîte. C'est là que l'agent douanier a découvert ces balles, ces munitions, ces armes que nous avons portées. Automatiquement, ils font appel avec BLTS pour venir parce que ils joignent des matériaux, des faits illicites. Ils joignent munitions dans le bateau. Maintenant, c'est lui qui porte plainte. Il y a la justice. La justice, pas qu'un port de paix, dit pas qu'il n'y a aucune charge contre le bateau. Pas que le cabinet d'instruction rend une ordonnance en faveur de Ronald Lubin, en faveur du bateau. Il y a référé, tribunal de référé, ordonné pour livrer Ronald Lubin bateau. Ça paraît là. L'État haïtien allait à travers Conan remoquer bateau, monsieur. Pendant que vous avez bateau à ce port de paix, vous avez fait un bateau. Voilà que le cabinet d'instruction, pour vous avez fait une instruction sur le même bateau, vous avez une ordonnance, vous avez blanchi tout le monde qui te met des munitions. Ça vient de montrer clairement que vous n'avez pas arrêté aucune charge pour le bateau. Maintenant, le dossier devant le doyen Bernard Saint-Ville, depuis plus de deux mois. Tout le monde connaît, quand on dit référé, section urgente. Référé, c'est pour un bagage qui n'est pas attendre. Référé, c'est pour une décision rapide, rapide. Alors que nous avons deux mois, nous avons une ordonnance dans le doyen Bernard Saint-Ville. Il n'y a pas jamais une ordonnance pour bateau. Pourtant, même Bernard Saint-Ville a pris une ordonnance en 72 ans. Ça fait une cabo au prince. Vous paquet nèg dans Delma qui pas fait l'autre bagaille messieurs dames. Ou gen kay ça là yo chercher connait est-ce qu'on vivre en Haïti. Automatiquement pas vivre en Haïti, yo bon jugement exécuté qui marqué jugement exécuté. Les jugements ça fin marqué jugement exécuté deux trois jours kounya wè yo prend juge, yo prend juge vinn faire constat pour construire ça. John Colin Morvan, c'est un ancien chef de gang. C'est un initiateur gang dans Delma 19. Et base gang en bas dans Delma 19, littéralement sans pression. Et Anel Joseph, en même occasion, vient dans base ça Delma 19. Laisse ça, Anel, pas qu'on gagne en plein gain, puis tu connais, c'est un chef gang dans la dimension liée. C'est même Jean Tout, John Colin Morvan, qui dit Jodial, c'est lanceur d'alerte, qui dit qu'il y a bataille contre gang. John Colin Morvan, tu as des très beaux rapports en dans le village de Dieu. Et Colin connaît, ça m'a dit, il y a de fond en comble. Nous faisons conférence ça, dans l'objectif pour nous capables de répondre ensemble des détracteurs et dénoncer la tractation qu'a fait sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a deux personnes, il y a deux soi-disant personnes, ensemble de reste personnes, l'autre prend de Michel, qui connaît qui niveau de qui degré, qui niveau de degré implication dans la campagne pour assassiner Jovenel Moïse. Et puis je dis à qu'il a fait tractation pour faire et pour déplacer projecteur sous assassin yo, pour mettre sous Martine Moïse en comprenant pour capable et nous t'a dit affaiblir nous dans le combat qu'il a mené. Deuxième détracteur reste monde et c'est bagaille ça comment le encore.